le journal des stratèges. Alors, on vous parle tout de suite de Midipil Mobility. C'est une voiture à pédale modulable. Alors, elle peut prendre la version, surtout la forme d'une version biplace avec un module capable d'accueillir un passager à l'arrière ou alors de recevoir un support spécifique qui vient se fixer derrière le conducteur pour transporter des marchandises, nous explique 20minutes.fr. Alors, la start-up utilise des matériaux biosourcés qui sont principalement issus de la filière du lin et aussi du chanvre, mais aussi des résines qui sont agro-sourcées. Alors, pour l'instant, bien, Midipil se tourne plutôt vers la location à des professionnels et aussi des collectivités locales. Alors, pour les performances, l'engin peut atteindre les 45 km/h et emmener une charge de 300 kg. Alors, ces batteries se rechargent avec l'énergie produite en pédalant, l'électricité générée par des panneaux photovoltaïques ainsi que par le freinage régénératif. Alors, en fonction de l'effort fourni mais aussi de l'ensoleillement, l'autonomie peut varier de 170 à 250 km environ. Alors, il faut savoir qu'une première série de 10 véhicules sera produite dans le courant de l'année et l'activité devrait être lancée en 2023. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.